T'es devenue hôtesse de l'air? J'ai perdu un appart à 3 millions, alors je me suis dit qu'il fallait mieux fêter ça que de déprimer. Moi, c'est la femme de ma vie que je viens de perdre. La femme de ta vie? J'ai loupé un épisode ou quoi? Largué comme un vieux con. Tu le crois, toi? Merde. Mais c'est qui cette conne? Une réalisatrice que j'ai rencontrée au boulot, ça se passait nickel. Et puis d'un coup, cut, juste un SMS, ne cherche plus à me revoir. Et puis, impossible à la joindre. Elle était peut-être mariée? Non. Là, je comprends pas. Hein. Franchement, c'est... C'est le choc, là. Je me sentais prêt à construire. Mais tu voulais surtout rien construire? Non, c'est parce que j'avais rencontré personne qui me donnait envie. Quand je lisais l'amour... Tu le crois si tu veux, mais... Je rêvais qu'elle tombe enceinte. Tu me diras, je rentre tard, je pars tôt... Toujours la tête dans le guidon... C'est pas le top pour une femme. Je pense pas que ce soit ça. Mais qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Quoi, tu sais un truc? Bah, tu sais comment sont les nanas. Y a des trucs qui circulent sur toi. De quoi tu parles? Non mais laisse tomber, hein, c'est certainement des bêtises. Ah non, mais tu plaisantes, vas-y, déballe. Bah, tu sais comment ça se passe à chaque fois que tu quittes une fille et que tu lui réponds plus au téléphone. Elle m'appelle pour en parler. Ah oui, pour se plaindre, ouais, ça je sais, ouais. Non, je te mentais, elle m'appelait pas pour ça. Elle appelait pour me parler de ton problème. Mon problème? J'ai jamais osé t'en parler avant, mais bon, voilà, c'est pas si grave, hein. C'est pas si grave? Bah, vas-y, déballe. Bah, elles pensent toutes que ton addiction au sport, c'est une façon de cacher un autre problème. Attends, quoi, que je sois bien foutu, ça leur poserait un problème, en fait. Non, mais tu rêves, là. Elles ont tout adoré caresser mon corps musclé. Là. Ça, c'est vrai. Ton corps a fait l'unanimité. Non, mais le problème est ailleurs. Ailleurs? Bon, bah, vas-y, dis-moi, merde. Écoute, je préfère pas, ça a pas tant d'importance que ça, je veux dire qu'on peut vivre avec, tu vois. Bon allez, vas-y, arrête la torture psychologique, accouche maintenant. Bon, pour nous les femmes, c'est pas si grave que ça. Tu sais, l'amour c'est plus important que le reste. Quoi, tu déconnes là? Bon, laisse tomber, on n'en parle plus. Non mais attends... quoi alors de... Elles t'ont dit que j'étais un mauvais coup, c'est ça? Ouais, voilà. Moi? Bah oui, toi. Toutes. Mais c'est impossible. Mais elle criait tellement fort que le voisin il était obligé d'appeler les flics. Ouais, ben tu fais souvent la comédienne ou le top modèle, t'es d'accord? Et bah ben, apparemment elle mérite tout un Oscar. Mais non, mais attends. C'est pas possible. Elle rêvait toutes de vivre avec moi, attends. Ouais, dans ton super appart, de rouler dans ta super caisse et de bouffer dans les meilleurs restos de Paris, ça oui, c'est vrai. Coupé.